السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله سوف نتكلم عن NFT بلوك تشين دونك على بركة الله كيف كتعرفوا sujet des NFT sujet très important ou sujet ni je dis le domaine digital mais avant Hassan adroh là on a les terminologies mojibine côté technique alors la plupart des gens qui arrivent aux NFT euh, comme des designs des, 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 des objets numériques les qu'adroh on peut flux ou on va terminer dans le domaine du crypto money ou bien crypto money دونك euh, كيف كتعرفوا ان ال ان سي لي افيك لا بلوك تشين ايدريو اي او ملي كنقول لا بلوك تشين بيان لا بلوك تشين ايدريو عندها كونسيبت ديالها ملي كنقول لا بلوك تشين كنقول تو سامبلمون اون باز دو دوني سنتراليزي اليوم غنعرفوا شنو هي ال ان هي لا بلوك تشين وشنو العلاقه بيناتهم وفين اه, نقدر نستعمل ان وعلاش بالضبط NFT donc l'NFT tout simplement c'est 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 un jeton donc token c'est un token donc les gens de développement de l'ingénierie logicielle qui savent ce mot c'est bien mais les gens qui qui travaillent dans l'informatique je vous dis que si vous allez lire les tokens les jetons les techniques vous saurez plus ce que donc, l'NFT, tout simplement, c'est un jeton non fungible. C'est quoi non fungible C'est tout simplement non rechangeable. Donc, l'anglais anglais, c'est non fungible token. Donc, tout simplement, c'est une donnée valorisée et composée. Et liée avec des objets numériques. M'indique qu'un des objets numériques, tout simplement, Kangoul, euh, euh, soit des images soit des vidéos, soit des audios, soit des produits numériques. Par la suite, Radikon est dans le domaine du digital, des produits numériques, Radikon très sensible, ou Radichufouachi par la suite. Donc, le NFT, c'est un domaine relativement nouveau. Il y a Ben halien, mais mais lié avec la blockchain Ethereum. Donc, la plupart des NS qui créent des NFT, soit Kimchi des NFTs men fiverr ou bien men end sab ou la qui trol discord ainsi de suite, ou qui postent des sur Coinbase, pardon, c'est pas Coinbase, sur Opencia, Binance ou d'autres. Donc, mais ils faut que tu connais wallet? تكون عندك واليت ديالك هاد لا واليت ديالك دي الواليت ديالك برضو تقدر تكريها من ميتا ماسك وبيع الكوين بيز ايه وتكون عندك فيها اه الاثيريوم ديالك وبيع العمله ديالك اللي كتستعملها انت بزاف والفلوس ديالك اللي غادي يجيوك من لي اللي غادي دير بارابور ال اف دونك ال ان اف تي سوجي اه تري اه très complexe mais lié avec plusieurs terminologies c'est une cryptographique cryptographie pardon bien le, le, le mot général cryptographique cryptographique cryptographie les maths aussi la blockchain mais euh, je vais pas parler à la donc les, les autres il y en est parce que il y a plus plein de détails plein d'infos à, à la blockchain brièvement, qui va parler de l'NFT brièvement, parce que uh, dans domaine nouveau où c'est pas quelque chose, qui ni à mais c'est un mot technique, donc non fungible token, donc quand qu'un token, qu'un ID, qu'un référence, qu'un uh, quelque chose uh, d'unicité, identique, uh, y'a ni de l'identifiant unique, qui ne change pas. Had identifiant donc quand dit identifiant unique, tout simplement dans le domaine le développement de l'informatique, cet identifiant soit changeable, soit non changeable. Fungible non fungible. Tout simplement le token hada utilisé référentiellement avec la crypto-monnaie donc soit avec Bitcoin Ethereum euh, d'autres euh, d'autres euh, cryptomonnaies liquides. mais tout simplement Hachi, dans la blockchain la blockchain mais c'est quoi la blockchain donc on va parler brièvement à la blockchain donc je vais partager euh, une image qui va décrire la blockchain Donc, c'est un sujet très complexe, comme a le sujet du blockchain, parce que qu'il y a une de les terminologies techniques. Par la suite, nous allons créer une vidéo qui va créer la blockchain par une technologie, soit Python, soit JavaScript et d'autres. Voilà. Donc, la blockchain, tout simplement, c'est une base de données centralisé donc à de la base de données tout simplement c'est une base de données centralisée euh, contient quoi contient l'historique des échanges effectués bien ou utilisateur ou un autre à de la base de données tout simplement sécurisé ou distribué pardon c'est pas centralisé c'est distribué qui ne fait pas les bases de données centralisées ou les bases de données distribuées, donc c'est une base de données distribuée ou euh, partagée par les différentes utilisateurs. Bien sûr, il n'y a pas d'intermédiaire et il y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas banque. Tout simplement, on y a une partage ou la transaction, mais il y a juste le nœud qui intermédiait ou le groupe. Les contaminés, avec le groupe HADA tout simplement, ou elle est la transaction, ou bien le bloc DLI, ce n'est pas la transaction, le bloc DLI qui c'est vérifié ou non. Deux maintenant 14 dollars. Est-ce que 14 dollars, qu'il a fallu aller ou non Voilà. Donc, elle dit, le groupe, voilà, c'est quatre ou après que deux la transaction mais avant donc dos en détail heinaya qu'on a dit ou a de ou bien l'entité ou la personne de la person transaction donc un ami qui la transaction tout simplement qui t'enchille un h a descriptif historique un ou a le groupe les donc groupe de noeuds pardon et après la transaction que tu as le bloc de données bloc cherche qu'on chaîne une chaîne de blocs na t il data structure, donc notre développement car vous la structure donnée ou bien data structure. Donc après, le bloc est vérifié par l'entité de ne ou bien le groupe qui ne fois une fois validé, donc après la transaction, le B. Donc le B reçoit la transaction ou bien l'échange. Tout simplement, elle s'est appliquée à, à, à la NFT. Donc, tu appliques la NFT, appliquez la, euh, liée avec la crypto-monnaie. Donc, voilà. Le sujet de l'NFT, sujet euh, varié, il y a des éléments liés, mais. Euh, اي <تسجيل> نتمنى ان هاد لا فيديو تكون مختصره وتكون عجبتكم وان شاء الله باذن الله نتلاقاو في دوت سوجي دوت تيرمينولوجي و دوت ديتاي فوالا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته